Bonjour à tous et bienvenue pour le quatrième épisode de notre série sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Donc dans l'épisode précédent, nous nous rendions en direction de la citadelle et nous y voici dedans. Donc nous allons pouvoir commencer. Allez, à tout de suite! Donc, nous allons pouvoir commencer avec Farine, du coup, voilà, on va faire un épisode avec lui, c'est parti. Alors, pour l'instant, il se passe rien, on va peut-être aller voir tranquillement ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y aurait pas des objets à changer? Ok, ça c'est cool. On peut rien prendre. Et si c'est au niveau 9. C'est cool, ça. Armure 29, celle que j'ai 47. 12. Oui, c'est celle que j'ai, d'accord. On va prendre celle-là. Voilà. Mais si il n'est pas demain, ça peut être facile. Ah oui, c'est une hache de main, ok. Ça sert à rien ici. Ah si, tiens. Ok, allez, c'est parti, avançons. J'ai mal joué, ça commence bien, hein, rendre la citadelle, on joue déjà mal. Ils n'auront pas l'avantage longtemps. Commencez par vaincre les porteurs de feu. Arrive, ils sont là. La mort vous emporte tous. Ça c'était la mort la plus rapide, ah, bravo, bonjour magicien. Ah le mec ça, c'est genre... Ouais, je suis trop fort. D'accord. Aïe aïe aïe. Bonsoir les boss cheatés. On prend, ça peut être utile, on reviendra après. Peut-être des trucs intéressants, on sait jamais. Peut-être, peut-être bien. Alors. Aïe, j'ai 3 points supplémentaires.
Alors, où est-ce qu'on va les prendre? On va rajouter un point ici. Et un point ici. Ah non, j'en ai qu'un, ok. Bon. Non, non, je voulais. Ah, il y en a ça. Oui, je regardais ce que j'avais vu, il y en avait un de vous là. C'est quoi, 133. Allez, vas-y, bonsoir. C'est tout, je crois. Ah, il y avait une pile. Et moi, la mienne, elle fait combien? Peut-être temps que je change, hein. Mais. Il est temps, hein. Oh, c'est en train de pisser le sang. Ok, sectionnement légendaire, ça serait assez intéressant. Attention, passe dans le plafond. Sans sérieux. C'est quoi ces coups? Vous faites face au pouvoir des Zelda. Donc c'est nul. Trois coups déjà. Ah, mais pourquoi tu l'enlèves quand je... C'est ça, je veux que ça arrête de me faire ça. Occupe-toi un peu de lui là. Bonjour. Leur compte est réglé. Continuons. Attends deux secondes, j'ai pas encore tous mes vies, je vais faire un peu à ton truc. Merci. Que elle est mignonne. Ah là-bas, encore un coffre. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Continuons. Ah, on retrouve les deux là. Agondor doit être à l'intérieur. Alors c'est là que nous devons nous rendre. La route est bloquée par une barrière magique très puissante. Pouvez-vous briser le sort? Peut-être, mais il faudra du temps et de la concentration. Vous devriez commencer. Nous assurerons vos arrières. Évidemment, ils peuvent pas même nous aider. Moi, je serai là. On a du mal à passer, je ne passe.
Oh le headshot, magnifique. Ils amènent des renforts. Ouais, les elfes sont vulnérables. Éloignez les orques d'eux. Ouais, mais s'il y en a un qui s'enfuit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-moi. Hein? Ouais, bah, il a donné le rire et allez, dépêchez-vous. Bah. Je crois qu'il va rester dans le temps. Quoi, ça t'en a pas assez? Voilà. Protégez les elfes, repoussez cette gamine. Allez, au dodo. Ressentez ma colère et mon désespoir. Oh non. Ouais, bah attends. Ouais, peut-être. Faut s'occuper de lui. Ah non. Ça, c'est un méchant troll. Oh bah non! Allez! Oh! Dans ta goule le troll. Je ne serai pas le seul. Allez, viens. Allez, viens. Et voilà. Ça, c'est maîtrisé, ça. Là-bas, on a enlevé la barrière. Venez vite, les portes sont ouvertes. Nous allons devoir nous séparer un moment, mes amis. Je ne peux pas vous suivre au sein de ces étroits couloirs. Allez-vous rentrer chez vous, Beleram? Non, jeune dame. Ce serait déloyal de ma part de vous quitter alors que la vie de mes amis est en danger. J'attendrai votre retour. Il se peut que je puisse empêcher des renforts de vous suivre jusqu'à la tour. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Les elfes prennent de l'avance. Que la bonne fortune soit avec vous tous. Merci, Beleram. Quelle gentillesse, ce bonhomme. Allez, rentrons dans cette... Eh ben, on continue avec... Farine. Nous avons atteint la citadelle. J'ai envie de dire qu'on a été une assez bonne distraction. Tu parles. J'achète l'objet. Ça peut être intéressant pour moi. Pas les trucs avant. On va regarder. Voilà, tu vas avoir un petit casque.
Trop de la chance. On va changer aussi ça. En fait. Tout à l'heure, je remarque. Je prends assez cher. Voilà, ça, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ok, allez, c'est parti. Perds pas de temps. Finir enfin de sortir de cette... Ouais, c'est parti chacun de son côté. Zog, que se passe-t-il là-bas? Envahisseurs! Combien? Pas beaucoup, mais ils ont libéré l'aigle! Imbécile! Notre cachette va être dévoilée! C'est tout ce que savent faire vos larbins? Ce sont sûrement de grands guerriers! Des elfes redoutables, ou des saletés de Tark! Ça m'est égal! Trouvez-les et tuez-les! Alertez vos gardes! Ne les laissez pas s'enfuir! Prévenez mes gardes et dépêchez-vous! Le plus gros est Tarzon, un chef des orques du Mondram. Chef, hein? Très bien, on les marque. Et seulement des laquais. Ah, il fait des attaques de grand, lui. Là, la saloperie. Et des attaques de zone. Bah oui, évidemment. Moi, il faut que j'aille en plein dedans, en plus. Mais pourquoi? Bah pourquoi tu me bloques toi? Me bloque pas voyons. Bon allez. Ça y est, il va faire son petit tour là quand il fait son petit peu de guerre. Non. Thank you.
Oh la vache, les coups qui t'aident. Ils sont chiants, ils arrivent à mouiller là. Allez, j'ai déjà les défoncer là. Oh, je me fais avoir en plus. Ah la vache. Un chef orque de moi. Finissons-en aussi avec ces soucis. C'était trop risqué à mon goût. Je vous remercie. Protégez-vous dans cette sphère de lumière. Ça c'est fait. Je suis déçu, c'est pas moi qui l'a tué. Voilà, je suis énervé donc je casse tout. Ben. Pourquoi il monte de niveau? Il monte de niveau? Ah ouais. On va augmenter un peu la dextérité. Hein. Il y a un peu la volonté. Ok. Je vais essayer la fin, c'est augmenter. Voilà. Très bien. Bon allez, on continue. Pas de temps à perdre. Vous auriez dû fuir la terre du milieu avec vos semblables tant que vous en aviez l'occasion. Nous ne fuyons devant rien, encore moins devant vous, laquais de Sauron. Imbécile, je suis le bras droit de Sauron. Je verrai votre précieuse fourgonde brûler et votre bâtard de père ramper enchaîné devant moi. Vous ne ferez rien, vos complots s'arrêtent là. Je viens seulement de commencer mon travail. Vous n'espérez tout de même pas avoir une chance de m'arrêter à deux. Ils ne sont pas seuls. Ne cherchez pas vos gardes. Ils ne viendront pas. Fornost n'a aucune valeur. Vous n'avez absolument rien gagné. Il s'échappe. Nous ne pouvons plus espérer le suivre. Moi, je peux. De Sauron. Cette tempête est maléfique. Eh ben... Je ne le vois plus maintenant. C'est inutile. Il nous a échappé pour le moment. Ne vous en voulez pas. C'était courageux à vous de partir à sa recherche seul. Oui. Mais ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Si seulement nous avions pu en finir avec ce serpent. J'ai l'impression qu'il ne restera pas tranquille longtemps. Et maintenant, où allons-nous? En ce qui me concerne, j'aimerais partir à la recherche d'Agandor avec vous. Mais il me faut penser à mon devoir. Je dois retourner dans mes terres pour informer le seigneur Gwaihir de tout ce que j'ai appris ici. Oui, votre devoir envers votre peuple est prioritaire. Ravi de vous avoir rencontré, Beleram. J'espère que nous nous reverrons un jour. Je l'espère aussi, Pharin des Rebords. Vous et vos compagnons m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas.
Si je peux vous rendre service à l'avenir, je le ferai. Bonne chance, où que vous alliez, Beleram. Jusqu'à ce que vos airs vous reçoivent à la fin du voyage. Je vous remercie. Présentez mes amitiés à Elrond, votre père. Je vous dis adieu. Quant à nous, je crois qu'il est également notre devoir d'informer nos alliés de tout ce que nous avons appris. Nous devrions retourner au camp Ranger du Guet de Sarn. Albarad aura hâte d'entendre ce que nous avons à lui dire. Je suis d'accord, car pour ma part, je suis toujours sous les ordres d'Albarad. S'il s'avère qu'Albarad n'a pas besoin de vos services immédiatement, je vous incite à vous rendre également à Imladris. Nous aurons sûrement besoin de votre force et de votre intelligence d'ici peu. Nous ne l'oublierons pas. Adieu. Et ben voilà. Nous avons fini notre première... On va dire... Voilà. Donc je ne peux que vous dire que cet épisode est terminé, voilà, sur cette fuite évidemment. C'était trop prévisible, je n'allais pas s'arrêter maintenant. Voilà, donc c'est fini pour ce quatrième épisode et ce sera parti pour le cinquième épisode où on commencera au Guet de Sarn. Allez, ciao ciao, salut !